Maman? Oui? Où sont les 200 euros que tu me dois? Que quoi? Attends. Tu parles de quels 200 euros? Avec tout ce que moi je te fais dans cette maison-là, tu me dis que je te dois 200 euros? Quand tonton est arrivé la dernière fois, tais-toi, papa! Mon fils, quand moi j'avais ton âge, quand on me donnait de l'argent, c'est moi-même qui allais remettre ça à mon papa et à ma maman. Et ils me font des prières, ils me bénissent. Mais aujourd'hui, vous ne servez plus à rien. Avec tout ce qu'on te fait dans cette maison, tu demandes encore l'argent qu'on t'a donné. Mais est-ce qu'il va disparaître de là? Il est encore debout? Papa? Oui, j'ai eu plus de en maths aujourd'hui. Plus de. Et tu es fier de toi? Quand moi j'avais ton âge, on me faisait plus 5 sur ma moyenne de fin d'année. Pourtant j'ai 20, donc on reportait les plus 5 sur l'année prochaine. Jojo, tu vas où? Maman, je sors. Ce n'est pas ça ma question, j'ai dit tu vas où? Je vais faire un tour seulement. La maison n'est pas assez grande pour qu'on fasse des tours dedans. Attends, lorsque tu auras ton bac, tu pourras sortir comme tu veux. Ok, maman. Jojo, tu vas où? Maman, je sors. Que quoi? Je sors avec des amis. Tu ne sors pas. Comment ça? J'ai mon bac? Tant que tu vas vivre dans ma maison, tu ne sors pas. Papa! Mon fils, quand moi j'avais ton âge, on ne sortait pas. Pourtant, on n'avait ni télévision ni rien à la maison. On étudiait matin, midi, soir. Aujourd'hui, vous avez tout à la maison. Et pourtant, vous sortez. Vous allez chercher quoi au dehors? Oui, mais papa, il fait quoi encore debout là? Je vais l'évaporer avec mon nez maintenant. Faut plus faire ça, mon ami. Ce que tu fais, c'est pas bon. À nous faire mes lettres, à nos lèvres de Messie. À des gens, nous y a souhaité.